Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de. Enfin non, ce tout nouveau épisode d'Osiris New Dawn. Alors, tout simplement, je vais parler à voix basse, un peu cassée. Je peux chuchoter. Mais pour cette première vidéo, je vais parler à voix basse, à voix un petit peu cassée. Voilà, donc vous voyez ça. La voix, elle part un peu un couille. Donc, voilà. Donc, tout simplement, donc je vais parler. Comme ça, tout le long de la vidéo. Donc, c'est un nouveau projet. Là, nous sommes sur Osiris New Dawn. Donc, c'est quoi ce jeu? Alors, c'est un jeu que je ne connais pas, franchement. J'ai joué quelques fois et j'ai longtemps arrêté d'y jouer parce que c'était la version bêta. Là, c'est une version, donc la vraie version. Voilà. Donc, c'est pas un placement de produit ni rien puisque je pense qu'avec la loi 13, ma vidéo ne pourra pas être monétisée. Donc, c'est juste pour le plaisir en fait que j'y joue. Et voilà. Donc, moi j'espère que ça vous plaira. Alors, c'est un jeu de survie. D'accord? Donc, on doit survivre le plus longtemps possible. Créer une base et tout. Aller même sur notre planète. Et ça sera le parfait. D'accord? Alors, à savoir, donc je n'y connais pas grand-chose sur le jeu. Donc, là, on peut voir donc, le mode multijoueur. Le mode solo, c'est le mode que l'on va prendre. Et là, il y a les options, j'ai réglé le jeu pour pas qu'il soit fort, ni rien. Donc voilà. Parce qu'il y a des monstres, et j'ai pas envie de faire des screamers chaque fois qu'un monstre nous attaque. Alors pourquoi je fais ce concept? Parce que je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Bob Lennon et les Hommes Fantasy au 974, qui ont beaucoup fait de vidéos sur Minecraft, et que ça m'endormait. Je l'ai regardé, mais je m'endormais avec leur célèbre série Minecraft. Et alors du coup je me suis dit c'est un petit peu de l'ASMR en fait. Du coup ben moi je vous propose une série que vous pouvez. Voilà, il y aura épisode 2 qui vont se suivre. Comme ça vous-même vous sera votre petite série à vous. Et voilà, on perd pas le fil, on est ensemble. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, alors moi je teste, première fois que je teste, donc s'il y a des bugs ou quoi, bah c'est. Vous voyez là j'ai le fond vert, j'ai mis un petit peu le matos. Donc on verra ce qui se passe. Alors c'est parti, on va tout de suite créer une partie ensemble. Alors ça c'était une partie donc vous voyez que j'ai créé donc pour m'entraîner. Donc on peut voir que j'ai pas beaucoup joué. Hein. Mais bon c'est pas grave, c'est juste pour le style. Tac, nous on va créer notre propre avatar. Yeah, le style. Alors, si dans la vidéo prochaine vous voulez que je chuchote, dites-moi-le. D'accord? Là je vais parler à voix basse. En même temps, pour ceux qui n'ont pas d'écouteurs, ça va être super pour vous. D'accord? Donc, c'est une vidéo aussi qui sert à bruit de fond. C'est-à-dire qu'il y en a qui pour s'endormir, ils ont besoin d'un bruit, en fait. Et du coup, ben, cette vidéo est parfaite pour vous. Donc, c'est parti. Alors, on a le choix entre les scientifiques. Ah oui, ce jeu n'est qu'en anglais pour le moment. Je suis une merde en anglais. Voilà. Donc, ce jeu, donc voilà. Donc il y a les scientifiques, les rangers, les marines et les ingénieurs, je suppose. Donc voilà, on peut choisir un homme ou une femme. Qui en prendre? Alors on voit juste le stuff qui change en bas là, vous voyez. Là normalement c'est là où je suis. Coucou. Écoutez, moi je dirais les marines, parce que les marines c'est classe, c'est viril, c'est méchant. Quoique. Lui est stylé quand même. Scientifique ou Marines? On va dire scientifique, on va plutôt jouer safe. D'autant plus qu'ils ont exactement la même classe. Sauf que eux, ils ont un truc comme ça. Ouais, on va partir scientifique. Ok. On va se customiser. C'est bon ça. On va se mettre. Comment on pourrait se mettre? En blanc. Oui, c'est pas très original. Hein, mais. Et si on se met tout blanc, ça fait quoi? Ça noir. Oh oui. Oh c'est méchant. Alors la lumière rouge évidemment. Évidemment, évidemment. On dirait un Playmobil. Mon dieu. Oh, on dirait un Power Rangers. C'est ouf. Vas-y, on va partir comme ça. Ah, la taille. On va le faire. On va le faire crudu. On va le faire grand. Tête. La grosse tête. Quoique quand même. Ouais, on va pas le faire super gros quand même. Si, musclé quand même. Oui. Voilà, ça c'est quoi qui bouge?
C'est les mêmes. Non, pas de si maigre. Et des pieds normaux. Je suis assez vite, je sais, j'aime bien faire vite. Alors, la course, c'est important, c'est très important. Ah, la musculature, oui. Le cœur, on s'en bat les couilles. On est bon là. Alors ça, c'est, on va dire, ce qu'on peut débloquer quand on joue au jeu. Donc, je vais débloquer ça. Je vais débloquer ça. Je vais débloquer ça. Ça, on peut pas. L'appel. Là, on peut pas. Tac. On va débloquer ça. On va débloquer ça. Ah, ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ok. Là, on va débloquer ça. On va débloquer ça. On va débloquer ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Ne me demandez surtout pas. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et on va s'appeler Cled, mon petit nom. Ah mais non, non mais non, on va s'appeler Tom et Sever du coup. Pour la chaîne, on va dire. Et normalement, mon pseudo c'est Cled. Hein. Donc si un jour vous voyez un Cled quelque part, il y a de fortes chances que ce soit moi. Extrême? Non, je déconne. Non, non, easy. Non, normal, on est des joueurs quand même. Donc c'est parti, là on est lancé, ça y est. Mais écoutez, donc voilà, c'est en train de se lancer. J'espère que ce mode va vous plaire. Alors il y aura des coupures quand ce sera un petit peu trop long, un petit peu trop barbant. Je m'occuperai du montage. Mais voilà, donc ça va être une vidéo un plus de la vidéo par semaine. Alors je pense qu'il y en aura une ou deux dans la semaine maximum. Voilà, c'est un petit plus, d'accord. Voilà. Donc j'espère que voilà. Alors c'est un jeu super sympa. Je vais découvrir tout ça en même temps que vous. Donc voilà, pour ceux qui connaissent bien ce jeu, ne me flamez pas parce que je suis pas un excellent joueur. Et pour ceux qui connaissent ce jeu, et non, pour ceux qui connaissent pas ce jeu, bah écoutez, ça va vous faire découvrir un univers que j'aime beaucoup, un peu mystérieux, un peu peur et très très seul. Tu es quelqu'un de seul. Dis-toi que tu es seul. Sur une planète. T'as rien compte? T'as rien compte si ça devait t'arriver, toi? T'as rien, tu te trouves tout seul sur une planète. Et tu dois vivre, survivre. C'est un truc de malade. 12%. Je trouve le concept trop bien. Genre, tu dois être. Voilà, donc, sur une planète, tout seul. C'est ouf. Donc, tu l'auras compris, c'est pas de la ASMR intense, c'est de la ASMR à voix basse. Bon, personnellement, c'est ce qui me déclenche le plus, moi. Mais voilà, donc, s'il y en a qui recherchent de l'ASMR intense, je t'invite à aller voir ma vidéo spéciale ASMR intense. Mais sinon, si tu cherches un bout de fond pour t'endormir ou quoi, cette vidéo fera office de tout ça. En sachant qu'il n'y aura aucun cri ni rien, étant donné que c'est quand même une vidéo basée sur l'ASMR. Donc, s'il y a un cri ou si je crie parce que je suis une grosse flippette. Le son ne sera cuté au montage, t'inquiète pas, d'accord. Voilà. Alors, j'espère que tout marche pour le mieux. Ok, alors là, on commence là maintenant. Ça part de là. Du scotch, tac. Je me scotche le visage pour éviter que mon casque se fissure. Ça, c'est quoi? C'est du heal. Ok. Je suis bloqué en fait. Ça m'a l'air bon. D'accord, donc en fait, je suis bloqué. On tape, on tape, on tape. Et on sort. Ok. Oh, c'est quoi ça? C'est un robot. Coucou toi. Je crois que lui va nous suivre pendant très très longtemps. Ok. Je crois qu'il va falloir casser. Oh, c'est bien fait.
On ramasse tout, on cherche pas à comprendre. Vous l'aurez compris, moi je suis en mode survie. On ramasse tout, on sait même pas à quoi ça sert, on s'en bat les couilles, on le ramasse. On casse tout. Putain, un coup de pioche et ça s'enlève, c'est pratique. Ça part, ça bouge, ça respecte, ça meurt. Ok, tac, tac. Okay. En fait, ouais, il y a plein de pièces partout. Alors je ne sais pas à quoi ça sert ces pièces. Je sais juste que la nuit elle peut tomber et que des monstres peuvent arriver. Voilà, ça me fait un petit peu flipper, on va pas se mentir. J'ai pas envie d'être seul face à des aliens. Je suis pas trop équipé pour. Bon, tu te casses toi ou... Voilà. Donc là, il y a rien à faire. Toi, t'es mon robot. Follow, j'ai. Tu me follow. Ah bah oui, t'es mon bébé, toi. Je crois même qu'on peut le renommer. Alors j'y rejoue. Oh non, c'est bien fait. C'est bien. Ah, j'ai mes traces de pas. C'est sympa. C'est quoi ça? Ok. Il y a un autre truc là-bas. Je cours. Alors je sais que je peux mettre aussi comme ça. Oh quel style. Mais quel beau gosse. Regardez, je peux même voler. Bon, c'est pas longtemps, mais bon. On a un apesanteur. Comme la musique de Kaojiro, c'est pareil. Alors moi je préfère cette vue là. Je casse tout, je sais même pas s'il faut tout casser. Ça se trouve il faut garder des trucs, t'sais. Ça aussi c'est hyper utile. Je suis en train de tout niquer. Ça se casse ça. Ça a peur de se casser, ça se casse non plus. Je sais même pas si... Ça se trouve je suis en train de tout détruire. Je ne sais pas. Ok. C'est quoi ça là-bas? On casse. Ça se casse. Ça respecte. Ça aussi, ça se casse en fait. On va pas. Ah, c'est bien fait quand même les impacts. C'est sympa. Hein? Non, c'est agréable. Ah, ça, je prends. Je sais même pas à quoi ça sert. C'est pas grave, ça m'a écouté. Je pense que je me racinerai avec Internet entre temps. Entre deux épisodes. C'est quoi ça? J'ai vu un truc qui pouvait se casser. Ne mytho pas. J'ai vu un truc qui pouvait se casser. À moins que ce soit mon robot, je sais pas. Ok, alors. Comment t'appelles-tu toi? Windows Error. Bon, tu me suis ou pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est bugué ou quoi? J'ai dû appuyer sur une touche que je sais pas. J'ai dû mettre protégé ou une connerie comme ça. Alors ça, c'est les minerais qu'il faut récupérer. La vache, c'est quand même bien fait, c'est ouf. Il y a d'autres minerais. Et après, on va choisir un endroit pour s'installer et faire la base. Donc, une fat base. On va faire un truc de mortel. On va faire un truc de ouf. On va faire une base, mais du futur, quoi. Bon, déjà, on va essayer de pas mourir. Il faut savoir que les trucs en bas à gauche sont des... sont des tabards un peu comme dans Sims en fait. C'est ta barre de heal, c'est ta barre de swing, c'est ta barre d'oxygène. Voilà, voilà. Donc, ce qui est bien, on peut courir très vite. Mais je vous. Accéléré. Le mec trace. Le mec trace sa race quoi. C'est plutôt bien fait. Alors, je vais baisser les bruitages pour que ce soit pas trop violent pour les oreilles. Il sert à quoi? Tu sers à rien, mec.
euros, ça m'a des couilles de moi, mais c'est affreux. Excusez-moi pour avoir insulté. Je suis rageux, moi, faut savoir. Ok, ça c'est le deal, ça c'est ça. Alors je redonne quand même, je connais un petit peu les touches quand même, puisque j'ai déjà un petit peu joué. Mais bon, quand il faut s'aventurer un peu plus, je connais rien. Bon, ok, on va trouver un endroit plutôt sympa. Là, il y a des minerais. Hop, on récupère ça, ça se classe. Du nium, de l'aluminium. Iron, de l'aluminium, de l'iron. Aluminium et de l'iron. Très bien, très bien, très bien. Ça, c'est quoi? Ça se casse aussi. Il y a plein de minéraux. Ça, c'est chouette. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup ou pas dans le jeu. En tout cas, là où je suis, il y en a bien quand même. Du magnésium. C'est compliqué à dire. Mon robot, qui ne sert à rien, je ne l'aime pas trop. J'espère que ça va venir avec le temps. J'espère que lui et moi, on va se soutenir. Déjà, j'aimerais bien l'attraper. Putain, je peux pas l'attraper, mais what the fuck. J'ai dû le faire bugger. Ça amorce mon vaisseau. Je t'ai vu. Fais pas genre. Bon, ok. En fait, je crois que c'est pour qu'il soit jamais en face de toi, pour pas qu'il te gêne, en fait. Si c'est ça, c'est bien foutu comme système. Hop, il y a du minéraux, il y a un truc à feu là-bas, en vert. Je sais pas ce que c'est. N'empêche, c'est très joli quand même. D'accord, on va bien celui-là, puis on va trouver un endroit stylé. Ok. Oh, cette plante. Il y a plein de minéraux ici, c'est vachement bien. Donc voilà. Ok. On va peut-être se poser quelque part par là. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a l'air plat. Alors, F12. Là, c'est mon inventaire. On va créer un point de spawn. Donc un point pour apparaître plus vite. Ça, c'est quoi ça? Tac. Nickel. Alors, on peut placer où on veut. Moi, je vais le placer. On va placer là. Tac. Voilà. On va sauvegarder. Tac. Ok, nickel. Sympa. Ah, nickel. Ça a l'air vachement sympa. Ça se casse. Ouais. Je m'en doutais. Ok. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer autre chose? Oui, on peut fabriquer ce petit truc. On va le mettre où? Oh, on va le mettre même là. Au centre. Nice. Et ah d'accord, c'est pour faire des lingots de minerai. Ça veut dire que si je fais ça, je peux faire ça et je peux faire ça. Sympa. En plus ça va assez vite. C'est nickel. Ok, super. Est-ce qu'on peut fabriquer autre chose? Ça, c'est quoi? Il m'en faut des lingots, donc on a la machine pour... Ah, ça, on peut le faire. On va mettre notre table de craft au pied du... Au pied du truc. Tac. Voilà, ça fait joli. Eh, franchement, notre base, elle est pas ouf, mais... ça sert à quoi, ça? D'accord, donc faut des lingots... Ok, en fait... Tout marche autour des lingots quand même, j'ai l'impression. Donc on récupère tout ça. Si je fais ça, je peux faire ça. Nickel. Ok, je fais d'autres lingots. Nickel, ça avance quand même. Ça avance assez rapidement quand même, je trouve. C'est bien. Tac tac tac, ouais, tac. Alors, ça, il me faut des iron blocks. Des iron blocks, c'est ça en fait. Moi, je
que si j'ai bien compris, mais j'ai rien compris au jeu en fait. Attends. Ah si, ça y est. Ah, on peut faire notre coffre. Alors ça, c'est un coffre pour poser toutes nos affaires. Très très utile. On va mettre là près de l'arbre, ça a bien rodé. Oh là là, c'est majestueux. Oh que c'est beau. Oh que c'est cru. Donc qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y déposer les choses que je ne me vois pas l'utilité en fait. Sans regarder, je sais pas à quoi ça sert. Hein. Il y a plein de trucs que je sais pas trop à quoi ça sert, malheureusement. Remplacer à la place du pistolet. Et c'est tout. Voilà, ça sert à quoi ça? Non, je crois que ouais, on peut customiser la base. Ah, ça c'est stylé ça. Ah, on va le faire un bleu. Ah, ça c'est stylé. Et là un rouge. Ouais, ça pique les yeux ou pas? Ça fait spécial quand même. Et toi aussi un peu. Nickel. Ah, c'est bien foutu ça. Ah non, lui, non, on peut pas. Lui, on peut. Non, je pense pas. C'est bien. C'est pas mal. Toi, un peu. Alors, je vois qu'il y a du gaz. Je vais essayer de prendre mes fioles de gaz vides. Et je vais essayer de la remplir. Tac, c'est parti. On va essayer de sprinter là-haut et remplir nos fioles de gaz. Je crois que c'est du. Je sais pas ce que c'est comme un gaz qui sort. Bon, on a de quoi faire. Ok, alors c'est du chlore. Ouais, on remplit sympa, ok. Donc lui il est plein, à lui. D'accord, donc on vient de remplir le chlore. Ok, je prends mon couteau, c'est pour le style. On saute. Oh le style. J'aime bien quand même un alien, enfin un astronaute, avec un petit couteau, tu sais. Genre le mec il va chercher le monde. Hop, ça sert à moi ça. Je vais tomber hein, en arrivant. Ça récupère, sans récupère, c'est gratuit. Il y a plein de trucs là en fait. Ça peut faire. On peut ramasser les trucs. Je sais pas à quoi ça sert. On va pas aller l'affronter, on va rester safe. Ouais. C'est du heal ça? Non, c'est pas ça. Tu penses que de la viande. C'est quoi ce truc? Il est là mon gavin. En termes de l'agresser, je sais pas ce que ça va donner. Alien, miam. Ça donne envie. Qu'est-ce que ça donne envie? Je crois que les gars n'ont pas le choix. Merde. Oh, je me suis imposé. Merde. Oups.
C'est involontaire. Je voulais faire cuire, parce que là je vois qu'on a eu de la viande. Donc je pense qu'on aurait pu le faire cuire. Ok, bah écoutez, on va faire. On va s'en faire si on en a pas. La nuit tombe. Je crois qu'on a pu se. Ouais, on a bien sûr elle, on a la lampe torche. Et là, ça va commencer à faire peur. Mais moi j'ai pas envie d'avoir peur, donc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bâtiment qui pourrait nous être utile? Ça on l'a fait. Ça c'est quoi? C'est une fois un new truc. On peut créer une pierre. Genre pour me protéger, c'est bien ça. Et si on mettait une pierre ici? Ok. Pierre, donc apparemment. Stylé, on peut créer des pierres. Pourquoi pas? Ça, comment on fait pour le fabriquer? Il nous faut deux lingots verts. Montre-moi. Ah non, 4. 4, d'accord. Ouais, ok, c'est pas ouf. Ok, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On est comme ça, on a plein, hein, ça me plaît, oui. Je pense qu'il va falloir aller miner. C'est parti. Pour ramasser des pierres pour faire des murs, c'est sympa ça. Je t'essaie de me faire un petit mur. Non, pas partir trop loin de la base, j'ai pas envie de me perdre. Tiens, hop, ça on va le casser. Sympa. Nickel, c'est des ressources qu'on a besoin. Après, on va essayer de construire une forge. Alors, une forge, je sais pas trop à quoi ça sert. Moi, j'aimerais bien partir dans l'espace, ça serait stylé. Ou avoir des armes, enfin, vous savez, avoir une base où vous savez que c'est la sécurité. Moi, je veux ça en fait, je veux une base d'insécurité parce que là, il fait froid dehors, il fait pas beau, il risque de pleuvoir, il risque d'avoir des monstres. Moi, je veux pas ça, moi. Voilà. Ben ça, je vais le poser quand même. Je n'en ai rien à foutre. Là, on a beaucoup de lingots quand même. Tac. Est-ce que, après tout ce qu'on a ramassé quand même, on pourrait pas s'autoriser? Voilà. Quelques trucs comme ça. Ça serait quand même pas. Et si je ne faisais pas une deuxième, c'est pas con ça non? Tac tac. Où est-ce qu'il est? Il a. Ben oui, on va faire un deuxième. On va le mettre où? On va le mettre à côté. Oh, oui. On va le mettre là, à côté. Là, c'est parfait. Et là, on va pouvoir mettre d'autres trucs. Super. Écoute, je vais éteindre la torche. Et on va se mettre dans. Non, on va se mettre d'abord dans la maison. Tac. Voilà. Ok, on se met dehors. Bah écoutez, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Donc, oula. Dans la vidéo prochaine, on va essayer de. Dès que la lumière du jour sera apparue, on va essayer d'aller explorer, d'aller visiter, d'aller voir un petit peu nos environs, on va essayer de se créer une base un peu plus solide que ça. On va essayer de trouver des minéraux, on va essayer de se crafter des armes. Et on va essayer, après, plus tard, on va essayer de se créer des gros vaisseaux de guerre et tout, enfin, des trucs vraiment stylés. Donc voilà, donc c'est la première nuit chez Osiris New Dawn, j'espère que ça vous a plu.
Voilà, c'est une alors c'est une vidéo ASMR, voilà, tranquille quoi, il y a pas rien de brusque quoi, c'est juste tranquille. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'aime bien ce concept. Tenez-moi au courant. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Et donc je vous dis à l'épisode 2. Au revoir à tous. Bye bye.